Salut à tous, c'est Diego Har. On se retrouve pour la suite de cette Let's Play de Half-Life, partie 45. Et on entend le Gonark énervé là-bas. On va laisser le faire. Hop. Qui est là? Bon là je pouvais pas... Encore une fois lui il peut rester là-dessus mais pas nous. Bon sans doute à cause des trous. On le voit, mais bon, il doit avoir une belle précision pour rester là-dessus. Enfin bref, là, il faut prendre le lance-roquette et envoyer le paxon. Oh putain, mais il a bougé. Salope. Ah et d'ailleurs, je vais le mettre en mode comme ça. Faut pas que mon tir soit dévié. Pas vrai. S'il veut arrêter de bouger. C'est parfait. Ah. Ah le salaud. Allez, on va prendre ça. Ah bah. C'est fait. On l'a eu. Oh là là. Saloperie. Continue de nous attaquer. Je peux plus bouger. Bon, je tire de là. On va soigner un peu. Ils sont où là? Ah ouais. Et bon, de toute façon, on va pouvoir remonter ma vie en entier, mais il commence à m'énerver. Bien, bien chiant ce truc. Je crois qu'on va arriver dans une partie du jeu. Je déteste parce qu'il y a encore plein d'oiseaux là et plein de Vortigans. Avant d'arriver enfin au boss final, on approche de la fin. Je pense que je ferai moins de 50 parties, enfin j'espère. Donc on va vers la 45. Et hop, téléportation. Et je me prends un coup. Merci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Plus d'oiseaux. Font chier. Ah ouais mais c'est parti, je crois qu'il y avait vraiment convenant folle parce que j'ai jamais compris comment on atteignait ce portail correctement. Bah ouais. Parce que ces trucs qui nous balancent en l'air, ça nous balance en l'air n'importe comment littéralement. Moi je vous dis c'est n'importe quoi. Ah mais la pente m'a fait dévier mon tir. Oula. Donc on est censé aller dans un de ces trucs et essayer de retomber sur un de ces trucs. Mais la plupart du temps, on retombe et on se scratch parce que ça nous balance trop haut. Mais qu'est-ce que... Bon, on va tenter. Oh mais... Oh mais... Ah mais en fait... Alors là j'ai pas compris parce que je suis arrivé en dessous du truc et ça m'a ramené au-dessus. Alors peut-être que c'était ça le deal, mais alors là je l'ai eu par chance parce que j'ai toujours été... Ça c'est une arnaque par contre. Oula, je suis près de la mort là. Voilà. Moi j'ai toujours cru qu'il fallait retomber sur l'oiseau. Vous allez tous mourir. Mourir. Merci. Vous allez tous mourir. Donc là je suis pas loin de mourir en effet. Oh non. Pas ces trucs là. Il manquerait plus que quelques lanceurs de guêpes. J'en ai qu'une ou deux suffisaient pour me tuer aisément. Ah merde, là je dois recharger. Bon, heureusement d'ici il peut pas m'avoir. Qu'est-ce que je dis? Ici il peut m'avoir. Ah mais. Ah, oui, c'est bon, on a compris. Vous allez tous mourir. Mourir. Vous allez. Ok. Donc là il y a un avion qui va. Enfin un avion. Façon de parler, un avion. Ah il y a qu'on a des machines. Je ne comprends absolument pas l'usage. Vous
Ok, donc ils ont téléporté un... Enfin, ils ont balancé un... Il est capable de me tirer de là. Parce qu'il arrive vers moi. On en voit plusieurs. Merde, il a bougé. Loupé. Oh putain. Comment je vais faire? C'est pas vrai. Eux, ils arrivent aussi. Non. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? Je sais plus où il est. Ah, de la vie. Parfait. Nickel. Je peux plus bouger. C'est bon. Bon. On va rester là pour quelques secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc on va arriver dans une zone vachement chiante, blindée de d'oiseaux là. Avec plein de Vortigons qu'on comprend pas tous éviter. Je crois que je l'ai fait en rush là parce qu'elle m'avait tellement saoulé quand je l'ai fait. Je crois qu'on peut pas faire la faire en rush, comme une fois, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de tirs qu'on peut pas éviter et on va devoir prendre des ascenseurs, ça va être l'horreur. Une zone bien chiante avec des lanceurs du gap aussi. On va quand même arriver avec Sandy, j'ai pas envie de risquer de mourir. On a plus rien sur le bazooka. On va les finir avec le pompe là, les Vortigons, même s'il y en a deux. Mon talent devrait suffire, n'est-ce pas? Hop. D'accord, il est là. Ah non, c'est pas le lanceur de guêpe qui est avec lui. Le lanceur de guêpe. Alors, soit je l'ai tué, soit je sais pas du tout où il est. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il sait parler anglais. Ah, parfait. Merci. Alors, où est la sortie? On ne voit plus. C'est bon. Il faut aller là-bas. Oh non, on voit des oiseaux. On va se tirer de là. Je ne sais plus du tout où je vais là. Je ne sais plus du tout, mais la rend plus. On va aller par là. Ok, donc mauvaise. mauvaise idée. On dit qu'il fallait plutôt aller de là où je viens. Enfin, de là-bas, vers là où je viens. C'est plutôt l'idée de ce passage. Donc on va continuer de ce côté-là. Voilà, je crois que c'est là. Ah non, mauvaise idée. Donc c'est un Gargantua comme on l'a fait bien remarquer. Je crois qu'on va devoir l'esquiver ou pas. Parce que lui il a des bons slams. Bon, ah bah je crois qu'on va faire tour par là-bas, si on peut. Je pense que ça va être bon. Maintenant qu'il est parti de sa zone, on devrait pouvoir y aller. Ah mais. Allez, ah non on peut pas y aller. Est-ce qu'on peut faire le tour par là? Je suis encore bloqué. Génial, parce que je me prends des tirs. En plus, ouais, non, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire le tour par là? Non, bon, bah, ouais, on va devoir l'enjamber. Ou plutôt, comme il est sorti, on va pouvoir y aller du coup. Et on se dépêche de faire ça et j'arrête la vidéo. C'est puissant, mais c'est pas bien intelligent. Vraiment, tu as. Hop, ah merde, plus de sac, plus de sac, pas bon. Je suis bloqué. C'est... Oh. Quoi? Je sais pas trop comment j'ai... Oula, mais non. mais non. Alors là, je ramais parce que... Firefox m'a dit que mon téléchargement s'était terminé. Donc ça s'est incrusté... Enfin, vous le verrez sans doute pas, mais... Et du coup, ça arrête pas de ramer depuis... Ça va mieux? Non. Bon, alors je vais arrêter la vidéo là. Et je vous dis à la prochaine.